Il y a 10 ans, mon père Ramilson est décédé. Depuis, nous, ses enfants, avons organisé la compagnie qu'il a fondée. Elle s'appelle maintenant Compagnie des descendants de Ramilson Bessigar. Cette année, pour honorer mon père et Madagascar, j'ai écrit une chanson reprenant des idées qui lui tenaient à cœur. Elle s'intitule « Notre planète est en danger ». Mon père rêvait de transformer le monde et voulait la renaissance de Madagascar. Cette année, j'ai encore conçu de nouvelles robes des reines pour les filles de nos troupes. C'est compliqué de faire ressentir l'opéra Iragas en dehors de Madagascar. Les spectacles sont en malgache, c'est normal. C'est notre langue nationale, toute la population parle depuis un millénaire. Dans ces films, la chanson sera présentée 2 fois. D'abord, ça sera une ciné-sensation pour que les spectacles ne soient pas perturbés par des sous-titres. Ensuite, la chanson sera traduite et sous-titrée. L'opéra Iragas est né au 15e siècle, à l'époque des royaumes de Madagascar. Les spectacles avaient lieu près des rizières. Thank you.
Notre troupe a été invitée dans son village par l'un de nos chanteurs. Dans tout Madagascar, les ancêtres sont sacrés. Partout, on procède à de nouvelles funérailles. Ici, c'est en Famadir. Un nouveau linceul est offert aux défunts. Et puis, les vivants dansent avec les morts. Après la fermeture du tombeau, en l'honneur des ancêtres, la famille doit offrir aux villageois une compétition artistique entre deux troupes d'opéra iragas. Les filles s'habillent comme les reines de Madagascar. Les garçons ont des tenues d'officiers de l'armée royale malgache du 19e siècle.
Nous sommes de retour dans le village où je suis née. Il s'appelle Manchou. Ça signifie « entrez donc ». Ici, ma mère Edwige et mon père Amilisson cultivaient la terre et préparaient leur spectacle. Dans ce tombeau reposent de nombreux membres de ma famille. Derrière ces murs, il y a ma mère Edwige et mon père Amilisson. Notre troupe est venue faire une répétition en costume pour la plus grande joie des villageois. Elle s'est installée près du tombeau où repose mon père Amélison pour recevoir ses bénédictions. Thank you.
Selon le professeur Pierre Baquet, l'art peut changer le monde. Par cette chanson, nous espérons y contribuer. Nous, les enfants de Ramilison, nous ferons tout aussi pour la renaissance de Madagascar.